Nous sommes ici comme des guerriers sous la tente, cherchant à conquérir le ciel par la violence. Et l'existence de l'homme sur la terre est celle d'un soldat. Tant que nous poursuivons ce combat dans nos corps actuels, nous restons loin du Seigneur, c'est-à-dire loin de la lumière, car Dieu est lumière. Voici 100 ans, la France et l'Europe sortaient d'un chaos innommable, d'une guerre insensée, fratricide, qui ouvrait une plaie qu'aucun traité de paix ne parvenait à fermer. La terre de Verdun, la Marne ensanglantée, et le chemin des dames, à jamais maculé. À peine si le ciel s'entr'ouvre d'un murmure. Le vent apaise au soir chacune des blessures. La guerre de 14-18, la grande guerre, unissant dans la mort côte à côte les frères. Ô Seigneur, que jamais le sol de cette France ne devienne le tombeau de notre espérance. Souvenez-vous de nous, Marie, souvenez-vous de nous. Ceux qui ont eu recours à vous, à genoux, jamais vous les abandonnez, non jamais. Souvenez-vous de nous, Marie. Souvenez-vous de nous. Ceux qui tombent devant nous dans la boue, jamais vous les abandonnez. Et du fond de la boue, des tranchées, des prières sont montées jusqu'au cœur de celle qui comprend tout. La mère des douleurs, cette mère à l'enfant qui protège, guérit, qui relève et apprend. Et la France à genoux a retrouvé la mémoire de Jeanne d'Orléans. Elle a relu l'histoire. Jeanne, cette bergère qui combat les Anglais. La mémoire le sait. Tout le monde l'acclame. C'est elle qu'il nous faut. Elle est notre héroïne. C'est elle qu'il nous faut. Femme du peuple, notre porte-étendard, notre vraie fleur de lys. Et tous la reconnaissent. Et tous la revendiquent. Même les plus athées de notre République. Comme si sa pureté, entachée par la guerre, voulait se racheter une vertu. L'évêque d'Orléans veut que l'Église la reconnaisse sainte. Il l'obtint finalement en 1920, 500 ans après le procès et le bûcher de Rouen. Paris. Elle pleure les rivières,
la France a besoin de protection divine. La République veut un acte d'unité. Et Jeanne d'Arc est bien plus qu'une héroïne. Elle unit toutes les voix par son pur et bel héroïsme patriotique. Ne devrait-elle pas être proclamée patronne de tous les Français ? Elle est maintenant canonisée. Un signe pour votre histoire. Mais cela ne suffit peut-être pas. Cependant, votre belle patrie a déjà sa patronne de longue mémoire. Oui, Saint-Père, la France a besoin que Jeanne d'Arc intercède, pour elle et pour tous ses voisins, pour que la paix enfin demeure. Mais vous nous avez interpellés avec raison, et nous l'avons compris. La Vierge Marie est au-dessus, reine de la paix. Depuis Saint-Irénée, Eucher et Saint-Anselme, de Bernard de Clairvaux, qui l'a si bien loué, à Saint-François de Sales, en passant par un nombre impressionnant de saints qui ont célébré Marie, qui ont médité son mystère, jusqu'à la Sorbonne qui l'a proclamée, conçue sans péché. Ce sont aujourd'hui 34 cathédrales qui portent le titre de Notre-Dame. À Reims, à Paris, à Amiens, à Rouen et à Chartres, partout où dans un souffle on l'invoque, on la prie. Les pèlerins courent sans cesse au sanctuaire de Marie. Et à Lourdes, de tous les pays, une foule innombrable se presse à Massabielle. À chaque épreuve, elle répond. Elle nous dit toujours oui. Qui que tu sois, vacillant sur les flots de ce monde, au milieu des tempêtes, regarde vers Marie. Attention quand même, la République française a voté une loi en 1905 séparant les pouvoirs. En décrétant Marie, patronne de France, les Antilles hurleront, ce sera la curée. Et la révolution soviétique et sa mouvance influencent aussi certains milieux ouvriers. Mais non, c'est le moment favorable. Affirmons ce que nous sommes et invoquons la protection de la Vierge. Même si les idées communistes influent, les braves gens savent où se trouve leur mère. Benoît XV décède subitement, sans avoir eu le temps de proclamer l'acte. Mais pour Pie XI, son successeur, l'affaire est entendue. Sans hésiter, il signe d'un trait le décret. Marie, première patronne de la France, et Sainte Jeanne d'Arc, patronne secondaire. Dans la plénitude de notre pouvoir apostolique, par la force des présentes et à perpétuité, nous déclarons et confirmons que la Vierge Marie, Mère de Dieu, sous le titre de son Assomption dans le ciel, a été régulièrement choisie comme principale patronne de toute la France auprès de Dieu, avec tous les privilèges et les honneurs que comporte ce noble titre et cette dignité. De plus, nous déclarons avec la plus grande joie et établissons l'illustre pucelle d'Orléans, admirée et vénérée spécialement par tous les catholiques de la France, comme l'héroïne de la religion et de la patrie, Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, patronne secondaire de la France, choisie par le plein suffrage du peuple, et cela encore d'après notre suprême autorité apostolique, concédant également tous les honneurs et privilèges que comporte selon le droit ce titre de seconde patronne. Dei Mater Alba. Atque semper Virgo, feis celi. Qui c'est Jeanne d'Arc?
C'est une jeune fille de France au regard aussi clair que le ciel. Elle est née dans un petit village où elle passe son enfance, à Domrémy. Notre beau pays souffrait d'une guerre contre les Anglais. Leur présence était telle que notre roi ne pouvait plus régner. Il y avait grande pitié au royaume de France. Elle a chassé les Anglais ? Des voix venues du ciel lui ont dit qu'il fallait sauver son beau pays et délivrer la France de l'occupation anglaise. Comment elle a fait ? Par la grâce de Dieu et le secours de la Vierge Marie. Et alors ? Les Bourguignons alliés aux Anglais l'ont vendue comme une prise de guerre. Elle a été jugée. Jeanne, êtes-vous en état de grâce ? Si j'y suis, Dieu m'y garde. Si je n'y suis, Dieu m'y mette. Quelle langue parlaient vos voix ? Meilleure que la vôtre. La condamnée, c'était condamner le roi de France. Elle fut brûlée injustement, si bien que Jean, secrétaire du roi anglais, fit cette repentance. Oh, nous avons vraiment brûlé une sainte. Et si l'on vous demande quelle est celle que je suis, dites-leur que je suis Jeanne, Jeanne de Domrémy. Au commencement, avant même notre ère, sur nos terres gauloises, tout le peuple priait, invoquait. À Lompon et à Chartres, une vierge qui doit enfanter. Quelque temps après la résurrection, au Sainte-Marie de la Mer, les saintes femmes qui entouraient le Christ et sa mère sont chassées de Jérusalem. Elles viennent jusqu'à nous. Marie-Madeleine, Marthe, Marie de Salomé, la mère de Saint-Jean, accompagnée de Lazare que Jésus ressuscita. Comme l'éclair sur l'eau, la foi s'est répandue sous le manteau de Marie. Dès 430, au Puy-en-Velay, on vient en pèlerinage, et depuis, il n'est pas un arpent de cette terre de France qui ne garde l'empreinte, la présence de Marie. Du plus petit hameau jusqu'à l'île de France, de Saint-Savin, du Puy, de Lourdes à Paris. Il n'y a pas un pays du nord à la Provence qui n'ait un lieu béni consacré à Marie. Au croisé des chemins, une statue, un signe, un vocable, un surnom, une chapelle nie. 3000 sanctuaires à la Vierge Marie. Les sanctuaires dédiés à la Vierge, disséminés partout, sont comme des bornes milliaires dressées pour rythmer le temps de notre itinéraire terrestre. Ils nous permettent de prendre un moment de repos au cours du voyage et de retrouver la joie et la sécurité pour la route, en même temps que la force d'aller de l'avant. Et le peuple de France, depuis sa première aube, marche pour implorer la mère de Dieu. Dans les églises, les maisons ou les alcôves, au long des rues, Marie, comme trône de Dieu, qui porte le Seigneur pour le donner aux hommes, qui montre le chemin, mène au Fils de Dieu, qui intercède et prie, protectrice des hommes, qui étend son manteau miséricordieux, Vierge de la tendresse, Yadanouga du psaume. S'il a voulu de toute éternité appeler l'homme à être participant de la nature divine, ce don remplit d'émerveillement la création entière, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Au centre de ce mystère, au plus vif de cet émerveillement, il y a Marie, Sainte Mère du Rédempteur. Elle a été la première à en faire l'expérience. Tu as enfanté, à l'émerveillement de la nature, celui qui t'a créé. La liturgie n'hésite pas
à lui donner le titre de mère de son créateur et à la saluer par les paroles que Dante met sur les lèvres de Saint Bernard, « Fille de ton fils ». En 633, une barque accoste, miraculeusement, à Boulogne-sur-Mer. La Vierge est là, portant son fils. Marie, Nôtonnière, Notre-Dame de Boulogne. Depuis ce jour, elle visite les villes, les villages, les maisons. Des plaines de la Beauce au sommet des collines, Notre-Dame de Chartres, Notre-Dame de Sion, Notre-Dame de Rocamadour, au-dessus de Gourdon, Notre-Dame de Liesse, qui de sa main divine modela son image, convertissant le cœur d'Ismeri, la princesse musulmane de Palestine. Notre-Dame de toute grâce de Cotignac qui consola Louis XIII, Notre-Dame des miracles, Notre-Dame du Lot, Notre-Dame de la Treille, Notre-Dame des Dunes, Notre-Dame de Pigeloup, Notre-Dame du Port, Notre-Dame d'Orcival, Notre-Dame des Voirons, Notre-Dame de Marienthal, du plus ancien au plus récent des sanctuaires, la grâce de Marie nous garde et nous protège. Notre-Dame du Bon Secours, Notre-Dame de Toutes Aides, Notre-Dame de Bonne Nouvelle, Notre-Dame de Toute Grâce, Notre-Dame de la Délivrande, Notre-Dame du Bon Espoir, Notre-Dame de Miséricorde, Notre-Dame de la Santé, Notre-Dame des Victoires, Notre-Dame des Miracles, Notre-Dame des Neiges, Notre-Dame des Vertus, Notre-Dame de Bonne Garde, Notre-Dame de la Sainte Espérance, Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de France. En étant la mère de Jésus, le Fils de Dieu, elle est notre maman. Jésus est notre frère. Il a pris d'elle son humanité, notre humanité. Je comprends pas. Jésus est fils de Dieu le Père. Et pour qu'il puisse naître dans notre humanité, il lui fallait une maman. Et il a choisi Marie. Et son papa? C'est Dieu lui-même par l'Esprit Saint. Jésus a pris chair de sa maman, Marie, et il s'est fait homme, protégé par Saint Joseph, son père adoptif, gardien de la Sainte Famille. Dieu s'est fait homme comme moi ? Sur la croix, il a dit à Marie, sa maman, « Voici ton fils », en désignant Saint Jean, son disciple. Et à Saint Jean, « Voici ta mère », ce qui signifie que Jean, comme chacun de nous, a Marie pour maman. Mais c'est toi ma maman ? Oui, ta maman terrestre. Mais notre maman du ciel, c'est Marie. On peut lui demander ce qu'on veut, comme on le fait avec toi ? Oui, et elle répond. Maman du ciel.
tu es son enfant, comme lui, comme lui. Depuis toujours, elle nous parle, elle nous guide sans cesse. Notre-Dame du Lot, près de Gap, en 1664, Marie parle. Allez au Laos, vous y trouverez une chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs. Et là, très souvent, vous me parlerez. La révolution de 1830, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, la Vierge apparaît à Catherine Labouré. Venez au pied de cet autel. Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec confiance et ferveur. Notre-Dame de la Salette en 1836, à la Salette, la Vierge, en pleurs, s'adresse à Mélanie et Maximin. Avancez, mes enfants, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle. Notre-Dame de Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Notre-Dame de Pontmain en Mayenne en 1871. Priez, mes enfants, mon fils se laisse toucher. Notre-Dame de Pellevoisin en 1876. Courage, confiance, calme, tu publieras ma gloire. Notre-Dame de l'île Bouchard le 8 décembre, près de Chinon en 1947. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Dites aux petits-enfants de prier pour la France, car elle en a grand besoin. Le vieillard Siméon l'avait prophétisé. Un glaive te percera le cœur. Et le glaive de notre division transperce le cœur de Marie. Sur cette terre de France, où allait s'ouvrir encore une des plaies du Christ en 1563. Le royaume tremble sous les coups de semonce des protestants. Une guerre se lève, une grande violence. Les massacres succèdent aux massacres. Et le vent de révolte divise même les familles. Catholiques fidèles ou réformés, à Sens, La Rochelle, Toulouse, la Saint-Barthélemy achève l'escalade qui va durer 30 ans. L'édit de Nantes clôt la guerre fratricide. Henri IV y met fin, mais le mal est bien grand. Blessant le cœur immaculé de Marie. La blessure est profonde. Louis XIII, humblement, panse les plaies du temps à la chapelle des pénitents bleus à Toulouse, puis à Notre-Dame des Grâces à Cotignac en 1637. Le pays se redresse et le roi il voit la main de Marie, à qui il confie la France par un vœu solennel qui deviendra une loi fondamentale du royaume. Tant de grâces si évidentes font que nous avons cru être obligés de nous consacrer à la grandeur de Dieu. Par son Fils rabaissé jusqu'à nous, et à ce Fils par sa Mère élevé jusqu'à lui. En la protection de laquelle nous mettons particulièrement notre personne, notre État, notre couronne et tous nos sujets pour obtenir par ce moyen celle de la Sainte Trinité, par son intercession et de toute la cour céleste, par son autorité et exemple, l'un des fruits de ce vœu fut la fondation en France de l'oratoire de Saint-Philippe Néri par Pierre de Bérulle, voulant que la science de Dieu puisse orienter tous les états de vie. Après les Carmélites, l'oratoire de France de Jésus et Marie insuffle un esprit neuf, un esprit de sagesse et d'intelligence. Comme un baume précieux, la grâce du repentir cicatrise les plaies du royaume de France.
du royaume de Marie. C'est ainsi que va naître l'école française de spiritualité. L'école française de spiritualité sut réunir les différents courants de pensée et de dévotion comme une anamnèse de la foi chrétienne qui a eu tant à souffrir de la discorde du cardinal de Bérulle à Saint-Vincent de Paul en passant par Ollier jusqu'à Jean Eudes écrivant en majuscule les noms de Jésus et de Marie. Bossuet, Jean du Verger de Haurane, le janséniste, l'effervescence anime le royaume tout entier. La foi s'approfondit et même les trappistes de Rancé vont réformer leur vie. La soif d'être debout, serviteur du Verbe incarné. L'école française trouve son accomplissement dans l'ordre de Jean Eudes qui va former et déployer de manière fine et populaire un exorde au cœur de Jésus et au cœur de Marie Immaculée. Il traduit les intuitions métaphysiques de Pierre de Bérulle par des mots simples et clairs, accessibles à chacun, par une vraie pratique. En 1675, à Paray-le-Monial, comme un divin sceau, Marguerite Marie est gratifiée de l'apparition du Christ, montrant son cœur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes. Après ce temps bouillonnant, ce temps de grande semence, Dieu suscita l'un de ses serviteurs les plus flamboyants. Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. La lecture du traité de la vraie dévotion de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort a marqué dans ma vie un tournant décisif. Je dis un tournant, bien qu'il s'agisse d'un long cheminement intérieur qui a coïncidé avec ma préparation clandestine au sacerdoce. Je me suis aperçu de quelque chose de fondamental. Il s'en est suivi que la dévotion de mon enfance, et même de mon adolescence, envers la Mère du Christ, a fait place à une nouvelle attitude, une dévotion venue du plus profond de ma foi, comme du cœur même de la réalité trinitaire. Au terme de cette riche page d'histoire, plus de 30 saints ont fleuri durant ce temps béni. 30 saints dévoués à la divine mémoire des cœurs unis de Jésus et de Marie, ainsi que du rôle unique de Joseph, gardien de la Sainte Famille. Les apparitions de la rue du Bac s'inscrivent directement dans cette spiritualité, dans l'héritage de Saint Vincent de Paul. Le 27 novembre 1830, la Vierge Marie montre à Sainte Catherine Labouret un tableau. De la France naissait un renouvellement de l'alliance avec Dieu, une alliance nouvelle, à l'image de celle qui éternellement unit les cœurs de Jésus et de sa mère. La France du Sacré-Cœur, la France de Marie, la France de Joseph. Et l'Église universelle, de par son magistère, en consacre le sceau par un signe inouï.
Le pape Léon XIII consacre le monde au Sacré-Cœur de Jésus tout en l'instituant en fête obligatoire. La tendresse profonde du cœur de Dieu prévient le pire et le tourment, comme au désert de Sin, il prévient des orages. Après 40 années, la guerre, le feu, le sang éclaboussent la terre. Le nazisme fait rage et Pie XII consacre le monde au cœur immaculé de Marie, instituant en la liant sa fête le lendemain de la fête du Sacré-Cœur. Et 40 années passent après les eaux de Mériba. Saint Jean-Paul II insiste, totus tous, l'alliance des deux cœurs. N'ayez pas peur, avancez au plus profond de cette alliance. Lorsque le diviseur veut la séparation, nous sommes invités à entrer dans l'alliance. Prince, fille aînée de l'Église, es-tu fidèle aux promesses de ton baptême ? 40 années encore ont passé et l'Esprit suscite aujourd'hui bien des voix prophétiques qui invitent à vivre cette alliance. À l'Annonciation, Marie a dit oui à Dieu, au nom de toute l'humanité, en réponse au oui du Christ venant dans le monde. Au pied de la croix et le samedi saint, Marie a redit son oui à la divine volonté, en écho au oui du Christ à Gethsémani. Nous sommes invités à vivre cette alliance entre le ciel et la terre, entre l'homme et Dieu, par notre consécration. Aux deux cœurs de Jésus et de Marie, comme Saint Joseph, notre modèle. En ces jours-ci, l'Église comme Jérusalem s'ouvre de mille maux, de mille trahisons. Et pourtant, elle demeure l'unique arche de paix, l'unique communion entre les hommes dans l'esprit de l'école française de spiritualité. L'unité de l'Église est fondée sur l'unité de Jésus et de Marie, première Église, icône de l'Église. Cœurs unis de Jésus et de Marie. Cœurs unis de Jésus et de Marie. Qu'est-ce que c'est que l'amour ? L'amour, c'est Dieu qui se donne à notre capacité d'aimer. Quand nos blessures s'ouvrent, quand notre volonté faiblit, c'est alors que Dieu vient nous relever. C'est alors que Dieu vient poser comme un baiser. Raconte-moi l'amour. Dieu nous aime le premier. Et quand on est perdu, c'est alors que Dieu vient. Effaçant nos limites, passant inaperçu, il prend chair de Marie pour être notre frère. Il prend cœur de son cœur pour être notre cœur, pour n'être qu'un seul cœur, pour n'être qu'un seul être. Il vient pour que tu puisses aimer comme il nous aime. Le cœur du Christ prend cœur dans le cœur de Marie pour rendre notre cœur capable de son cœur. Mais explique-moi. Nazareth, Jésus, Marie et Joseph, les trois cœurs de Saint Jean Eudes. Il y a dans ces trois cœurs plus qu'une dévotion. C'est un enjeu qui touche l'humanité entière, au-delà de nous-mêmes, de notre religion, au-delà du langage, comme un dernier repère. Ils indiquent le sens, la ligne d'horizon. Notre cœur doit se configurer au bon cœur de Joseph, à son doux battement, à son rythme, à son chant. Joseph, l'ombre du Père, Joseph, l'homme intérieur, le juste, l'homme droit, notre beau compagnon, le premier consacré. Ô grand Saint Joseph, nous vous offrons nos cœurs. Unissez-les avec le vôtre et avec celui de Jésus et de Marie.
les priant de faire en sorte que cette union soit inviolable et éternelle. En devenant homme, Dieu nous fait le don de la vie, de l'amour, pour que nous sortions enfin de nos prisons. Et nous avons du mal à le reconnaître. Dieu semble se cacher, mais il est là, au fond de chaque cœur, au milieu de chaque être. Au-delà de nos doutes et de nos négations, il est là, à la porte, au bord de la fenêtre. Un éclat de soleil pour que nous l'invitions à épouser nos cœurs, à épouser notre être. Un éclat de soleil au bord de la fenêtre? Oui, par le cœur de Jésus qui est le cœur du don, par le cœur de Marie qui est le cœur de Jésus, par le cœur de Joseph. Fais monter ta prière jusqu'à ce que ton cœur batte à l'unisson avec celui du Christ et celui de sa mère. Cœur de Marie, par ton cœur, défais tous nos nœuds, nos contradictions, nos passions et nos guerres. Ô doux cœur de Marie, par ton cœur qui est don, que le cœur de ton Fils apaise nos misères. Ô doux cœur de Marie, que ton intercession comble de grâce ceux que la vie désespère. Que par ton cœur uni à nos cœurs, nous soyons tes enfants, comme Jean qui te reçut pour mère. Ô Marie, sainte patronne de France, que ton doux cœur veille sur nous, sur nos familles et sur notre pays.